أو ليالي الحدث الطاقوي. إذا ونتنقل مباشرة إلى فندق الأوراسية الذي يشهد الملتقى الدولي حول التحول الطاقوي والطاقات المتجددة. والآن نستمع لكلمة وزير الطاقة نوردين بوطرفة. كما قلت من فندق الأوراسي للملتقى الدولي حول التحول الطاقوي والطاقات المتجددة التي يأتي فقط بعد أيام قليلة عن عقد اجتماع دولي للطاقة المنعقد في الجزائر. إذا وكما نلاحظ تواجد الكبير للوسائل الإعلامية لهذا الملتقى الدولي، وكما قلت الذي جاء بعد أيام قليلة فقط بعد اجتماع الطاقة الدولي، والذي خرج بنتائج جد تاريخية، والذي توصل أعضاء منظمة الأوبك في الاجتماع الغير الرسمي إلى تثبيت إنتاج النفط بين أعضاء المنظمة الأوبك. والجدير بالذكر أن الجزائر تعول كثيرا على الطاقات المتجددة، وهذا ما جاء على لسان وزير الطاقة نوردين بوطرفة خلال اجتماع دولي للطاقة المنعقد بقصر المؤتمرات. عبد اللطيف رحال. إذن سنستمع الآن مباشرة لكلمة وزير الطاقة نوردين بوطرفة. Des ressources en eau et de l'environnement, honorables invités, mesdames et messieurs. Il m'est particulièrement agréable de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour l'ouverture du colloque international sur la transition énergétique en Afrique entre défis économiques et enjeux environnementaux et de vous transmettre un message de félicitations de Monsieur le Premier ministre pour l'organisation de ce colloque et de soutien pour sa réussite. Je voudrais également à cette occasion remercier et féliciter les organisateurs de ce colloque international pour les remarquables efforts qu'ils ont déployés pour son organisation et le choix du thème ô combien révélateur de la conjoncture internationale et continentale actuelle. Le thème de ce colloque international s'inscrit dans la même ligne de la politique énergétique nationale qui vise la valorisation des ressources nationales les plus disponibles et les plus propres, concomitamment avec la consolidation du développement durable dans notre pays. Il intervient également dans une conjoncture marquée par l'élan suscité par la 21e conférence des parties, la COP21, en décembre 2015, et qui était l'occasion pour tous les pays de parler de la même voix face aux grands défis à relever dans le cadre du changement climatique. Je me réjouis que les organisateurs de ce colloque aient décidé d'inscrire ce thème hautement crucial pour la planète et particulièrement pour notre continent, l'Afrique, qui, sans en être directement responsable, subit de plein fouet les répercussions des changements climatiques sans détenir les outils et les moyens adéquats pour faire face aux défis économiques et environnementaux qui en sont les conséquences. Ainsi, l'occasion m'est donnée pour vous faire part de notre vision de la question de l'énergie de son devenir et rappeler que tout en intégrant dans notre démarche les analyses et réflexions, les facteurs géopolitiques, les données visibles du changement climatique, nous ne perdons pas de vue la nécessité de procéder à une évaluation continue de nos actions, mais également rester à l'écoute des transformations que connaît la scène énergétique internationale et à juste titre la question de la transition énergétique. Mesdames et Messieurs, la problématique de la transition énergétique n'est pas nouvelle. L'humanité a déjà connu d'autres transitions énergétiques, du bois vers le charbon, du charbon vers les hydrocarbures et actuellement vers les énergies propres. L'histoire nous a enseigné à travers ces transitions que celles-ci sont inéluctables et qu'il s'est avéré vain de s'opposer, mais par contre, il a été toujours utile de se préparer et d'agir dans une démarche cohérente. Ces dernières années, l'on assiste à la récurrence de cette question à la faveur de la croissance continue des interrogations sur la disponibilité d'énergie à long terme, en quantité suffisante et à des prix justes,
tenant compte que l'essentiel de l'offre provient de ressources par définition limitées. La demande d'énergie croît régulièrement pour répondre aux besoins d'une population mondiale qui augmente et dont le niveau de vie progresse. En Afrique, l'équation énergétique est plus compliquée, car le continent souffre du problème d'accès à l'énergie qui, pour son cas, bloque son développement et met beaucoup d'incertitudes sur sa capacité à répondre aux besoins basiques du développement. En outre, la production et la consommation d'énergie font subir une pression croissante sur l'environnement avec l'accumulation des conséquences d'un modèle de consommation qui a engendré la menace du changement climatique. Nous sommes ainsi confrontés, d'une part, au risque de ne pas pouvoir satisfaire la demande future en énergie et d'autre part, à la menace d'une dégradation majeure et irréversible de notre environnement déjà très précaire. Sur le plan mondial, des mesures sont prises pour tenter d'élaborer une politique d'action internationale. Dans ce cadre, le Forum international de l'énergie de la 15e session ministérielle qui s'est tenue récemment à Alger les 27 et 8 septembre dernier a été un événement mondial de par le nombre de participants qui a regroupé plus de 52 pays dont 28 représentés par leurs ministres chargés de l'énergie, les principales institutions internationales et les grandes compagnies mondiales. Ce forum a montré la nécessité d'un dialogue international pour trouver de concert les solutions aux questions énergétiques et particulièrement la nécessité d'une transition énergétique profitable à tous et avec le concours concerté de tous. En Afrique, si la réflexion est engagée, il demeure néanmoins que peu de mesures sont prises pour inscrire le continent dans ce processus. À ce titre, une prise de conscience à tous les niveaux est nécessaire pour cerner l'urgence et la prépondérance de la question. Aussi, de cette préoccupation fondamentale et à la lumière des travaux attendus de ce colloque, il devient crucial d'identifier les raisons pouvant expliquer le retard du continent dans cette dynamique et les perspectives d'opérationnalisation de la transition énergétique sur le continent. Mesdames et messieurs, les États africains, pour leur grande majorité, se sont engagés dans des dynamiques de développement et ont fixé le cap de leur émergence à l'horizon 2025-2035. Et entendu que l'accès à l'énergie est le pilier du développement économique car il conditionne les besoins de base, accès à l'eau, productivité agricole et industrielle, santé, éducation. Sa disponibilité apparaît comme capitale pour asseoir le développement. En Afrique, le problème d'accès à l'énergie touche entre 580 et 650 millions de personnes, soit environ 70% de la population du continent. Ces chiffres sont révélateurs de la faiblesse de la production énergétique du continent. Alors que le continent abrite 15% de la population mondiale et ne produit qu'une infime partie des émissions mondiales de dioxyde de carbone, car il consomme très peu d'énergie, il est appelé à s'inscrire dans une transition énergétique dont il ne détient pas les éléments moteurs. Aussi, j'estime que la période actuelle constitue pour le continent une opportunité au lieu d'une fatalité, car l'Afrique est suffisamment riche en potentiel d'énergie et qu'elle a le droit et le devoir de profiter de l'exploitation de ces dernières pour impulser son développement. Voilà pourquoi le discours sur la transition énergétique en Afrique ne relèverait pas de l'utopie, mais d'une réflexion rationnelle et responsable. S'il est clair que la transition énergétique est une nécessité réelle, car les énergies renouvelables constitue une solution face au déficit énergétique chronique du continent, il faudra engager des actions concrètes pour lancer résolument le continent sur le chemin de la transition énergétique. Mesdames et messieurs, l'Algérie s'est attelée à réunir les conditions autorisant la transition énergétique vers le développement des énergies renouvelables, qui répond en effet à des enjeux environnementaux et de diversification des sources d'énergie tout en intégrant le développement industriel connexe. L'adoption du Programme national de développement des énergies renouvelables et de la promotion de l'efficacité énergétique par le Conseil des ministres en mai 2015 témoigne de la volonté du gouvernement algérien à aller résolument vers une énergie propre, durable et efficace.
Avec l'adoption de l'objectif de 27% d'énergie électrique à base de renouvelables à l'horizon 2030, soit l'équivalent de 45 à 51 TWh, et une action soutenue et multiforme en termes d'efficacité énergétique, nous exprimons une ambition à la hauteur des défis et un engagement déterminé à faire des 15 prochaines années l'ère de l'avènement du développement énergétique durable. La compétitivité d'une économie verte, résultat de ces deux programmes, sera la seule garantie d'une croissance équilibrée et durable qui permettra d'améliorer l'allocation de nos ressources et la garantie de réalisation des objectifs assignés. Mesdames et messieurs, au vu de ce qui précède, des motifs d'espoir existant pour une plus grande et rapide intégration du continent dans la dynamique de la transition énergétique, il s'agira alors d'agir vite et maintenant. Enfin, je remercie encore une fois les organisateurs ainsi que tous les participants et vous souhaite plein réussite de vos travaux et je déclare ce colloque ouvert. Merci. Merci beaucoup. إذن كانت كلمة وزير الطاقة نور الدين أبو طرفة خلال الملتقى الدولي حول التحول الطاقوي والطاقات المتجددة في إفريقيا. وقال وزير الطاقة نور الدين أبو طرفة أن الجزائر ومن خلال البرنامج والتي تبنته الحكومة في ماي 2015 تنوي للاتجاه نحو الطاقات المتجددة خصوصا وأن إنتاج الكهرباء حاليا يعتمد على الغاز وهذا أيضا من أجل كما قال من أجل إنتاج 40% من الكهرباء عن طريق الطاقات البيئية أو الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة على غرار الطاقات الشمسية وأيضا طاقة الرياح. أيضا قال وزير الطاقة نور الدين بو طرفة خلال كلمته أن الجزائر تنوي ومن خلال البرنامج الطموح من الانتقال نحو هذه الطاقات المتجددة لكي تكون ضمان لمستقبل الأجيال الصاعدة وهي تعتبر عميد التطور الاقتصادي مستقبلا وهو أيضا ما تمنته نتائج المؤتمر أو الملتقى الدولي للطاقة الذي انعقد بالجزائر في الأسبوع الماضي والذي وصفت نتائجه بالتاريخية.